Comment gagner près de 6 millions de francs CFA en 45 jours? Si tu veux savoir comment tu peux le faire, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont les informations. Je ne sais pas, ça fait combien de temps tu es en train de trimballer avec ton CV, avec ton sac pour chercher le boulot. Mais aujourd'hui, j'ai une opportunité que je vais te partager ici. Cette opportunité doit peut-être changer ta manière de voir les choses. Au lieu de passer le temps à attendre un boulot qui ne vient pas, voilà comment je te dévoile comment tu peux faire 6 millions de francs CFA en 45 jours. C'est pas de la magie. Je n'ai pas dit que tu vas commencer comme ça à zéro, tu as 6 millions en 45 jours. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te partager une culture agricole qui est capable de te donner tout cet argent-là. Ne sois pas paniqué. Nous parlons pas de magie sur cette chaîne. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, moi c'est Nos Boulingui. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, du développement personnel et de l'éducation financière. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette astuce de faire 6 millions de francs CFA. Oui, beaucoup derrière la caméra doivent se poser la question, comment est-ce qu'on peut faire toute cette somme juste en cultivant une certaine culture donnée? Et oui, tout simplement parce que nous n'avons pas les informations. Lorsqu'on se lance en agriculture, ou bien lorsqu'on voit les gens travailler, ce qui nous manque, ce sont les informations. Aujourd'hui, je viens t'informer que tu es capable d'avoir 6 millions de francs CFA près de 45 jours. Je m'explique. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la culture qu'on appelle la culture du gombo. Beaucoup de gens aujourd'hui connaissent déjà les vertus du gombo. Aujourd'hui, le gombo est plus prisé, mieux prisé, même dans les assiettes des Européens que l'Africain. Parce que l'Africain aussi aujourd'hui a compris l'importance du gombo. Aujourd'hui, lorsque tu as un hectare de gombo, ce n'est pas ce que je te demande de faire. De toute façon, il y a une vidéo où je parle. Ne commence pas d'abord ton activité agricole sans regarder cette vidéo à la fin. Je vais te mettre le lien de la description. Et il y a aussi une vidéo d'où je parle des cultures les plus rentables en Afrique. N'oublie pas aussi de regarder cette vidéo. Toutes les deux vidéos, je laisse les liens dans la description. Aujourd'hui, on va parler parmi ces vidéos-là, la vidéo dont je parle des cultures les plus rentables. Donc, parmi ces cultures, aujourd'hui, on doit toucher une de ces cultures-là. Aujourd'hui, on doit parler du gombo. Et oui, le gombo est capable de donner 6 millions à l'hectare. Le gombo à l'hectare a besoin de 20 000 à 22 000 pieds du gombo. Tu as besoin de 20 à 22 kg de semences. Et oui, et le gombo te produit près de 12 à 15 tonnes. Prenons 12 tonnes. 12 tonnes, tu as 12 000 kilos. Si tu coïncides ta récolte à la période de la rareté du gombo sur le marché, par exemple, nous qui sommes à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, il y a des périodes où un fruit, légume, le gombo te coûte 100 francs. Vous imaginez lorsque tu as 22 000 pieds ou 23 000 pieds. Vous imaginez ce que ça peut te donner. En ce moment-là, le kilo de gombo est vendu à 3 500. Moi, je te demande même pas de vendre ça à 3 500. Je te demande juste de vendre ça comme étant grossiste à 500 francs le kilo. En faisant 12 000 kilos fois 500, tu te retrouves avec 6 millions de francs CFA. Et oui, ici souvent on pose certaines questions, mais tu parles de chiffres, ce que nous allons avoir à la fin, mais tu ne parles pas de l'investissement. Si je ne parle pas de l'investissement dans certaines de mes vidéos, tout simplement parce que l'investissement dépend de ce que tu as. Je m'explique. Je ne peux pas aujourd'hui te demander d'investir 1 million. Par exemple, il y a deux personnes qui me demandent, on veut savoir l'investissement. Et l'autre a déjà un terrain.
Donc, je ne peux pas lui demander, je ne peux pas lui dire, faire un devis. Son devis ne peut pas avoir le même prix que ton devis que toi, tu n'as pas, qui n'a pas le terrain. Vous pouvez avoir les deux, les terrains, bien sûr. Mais quelles sont les conditions de culture, de cultiver réellement? Est-ce que tu as un cours d'eau à côté? Est-ce que tu as déjà un puits? Est-ce que tu as déjà un forage? Est-ce que tu as un système d'arrosage? Comment est-ce que tu vas arroser ça? Est-ce que c'est à la main avec un tuyau d'arrosage? Tout ça là. Donc voilà pourquoi c'est difficile pour moi de parler de budget d'investissement du départ. Si tu as besoin d'un devis, on peut bien causer. Il y a un groupe WhatsApp en inbox. Tu peux rejoindre ce groupe où nous échangeons, nous partageons. Donc, tu peux nous parler de ce que tu as déjà. Tu peux nous parler de ton champ. Si, par exemple, si la main-d'œuvre, c'est toi-même. Voilà. La main-d'œuvre, c'est toi-même. Pourquoi inclure, par exemple, la main-d'œuvre dans le budget? Si, par exemple, si c'est une machine qui va labourer, je ne sais pas. Si c'est la main qui va labourer, je ne sais pas. Si ce sont les vaches qui vont labourer pour toi, je ne sais pas. Si vous avez déjà une machine aussi, je ne sais pas. Voilà pourquoi souvent, dans les vidéos, je ne parle pas de cet investissement de départ. Donc, retenez bien que on peut se faire 6 millions de francs CFA en 45 jours. Le gombo est une culture à cycle très court. En 45 jours, vous avez la première récolte. Et le gombo, on le récolte pratiquement chaque 3 à 4 jours. Voilà. Si vous coïncidez bien la période de votre récolte à la période de la rareté au marché, je vous assure, vous allez faire plus de 6 millions. Parce que nous avons pris le prix le plus bas et la production la plus basse de 12 tonnes l'hectare. Maintenant, pour tous ceux qui sont au Congo-Brazzaville, nous avons un fichier, un calendrier de la rareté des produits agricoles au Congo. Donc, si vous avez besoin de ce fichier-là, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons vous donner ce fichier-là.